Et maintenant, mesdames et messieurs, on passe à notre invité OVNI de la semaine. Valtre, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres. Vous n'êtes pas noir. Vous ne passez pas vos journées en salle de muscu. Et vous savez que le verbe croiver n'existe pas, en fait. Effectivement. Alors, Val, de votre vrai nom, Valentin Leduc. Vous êtes né le 15 juillet 1992 à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, père ouvrier, mère secrétaire. Vous grandissez dans la cité des mille milles et à 9 ans, vous découvrez votre première toche. Ouais. Et à 16 ans, votre première meuf. Oui, tout à fait. Je suis content qu'on parle de ça. Oui, mais c'est important. Hein. Ouais, faut retracer le parcours. Comment on vient à la vie, tout ça, c'est très important. Ouais. Il faut dire que la même année, donc, vous avez découvert le rap. Alors, qui vous a le plus influencé au début, Kerry James? Ouais, Kerry James, c'est la légende. Trop fort, Kerry James. Section d'assaut? Tout. Parlons de tout. J'adore Kerry James, j'adore Section d'assaut. J'adore Tandem. Ouais, c'est là que commence votre carrière musicale. C'est le destin. Le destin frappe. Vous vouliez faire quoi à part ça? Moi, je voulais faire de l'argent essentiellement. Ouais. Et puis, un jour, j'ai fait de la musique, quoi. Ouais. Et puis, ça a pris, et puis on m'a envoyé des messages. Ouais. Alors, on m'a signé. Et voilà. Et depuis, je suis un esclave de l'industrie. Il y a de la thune un peu, ouais. Il y a beaucoup de thunes dans la musique, maintenant. Tu prends de la caillasse? Je prends de la caille, je prends du lourd. Alors, aujourd'hui, Agartha, votre premier album, est bientôt platine. C'est pas rien, non? Je suis d'accord avec ça. C'est une bonne nouvelle. Le premier clip qui est sorti, c'est Eurotrap. Il est à 10 millions de vues sur YouTube. Vous êtes anti-bling hein, quand même, parce que vous avez déclaré, dans Eurotrap d'ailleurs, comment faire du rap sans être dissident? Tiens, vous trouvez que tous les mecs qui se trémoussent autour des piscines avec des gonzesses à poil et des Ferrari, c'est un peu ridicule? Ouais, c'était aussi un peu une phrase un peu marrante dans un morceau qui est vraiment pas dissident, mais c'est sûr que je trouve intéressant de remettre le rap en question sur son propos antisocial. Ouais. Là, tu perds ton sang-froid. Ouais. Vous pensez que le rap n'est pas si antisocial que ça aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il l'a jamais vraiment été, mais aujourd'hui, bon voilà, on fait de l'argent. Ouais. Dans Méga 12, vous critiquez le capitalisme. C'est la société de consommation, tout ça. Non mais... Tu peux dire à ta sœur qu'elle fait chier tout le monde? Il y a aussi un morceau qui s'appelle Blanc. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est un morceau sur votre couleur. Mm-hmm. C'est vrai que les Noirs, ils parlent des Noirs. Il n'y a jamais un Blanc qui parle des Blancs. Donc dans Blanc, bah, vous parlez de vous, quoi. Ouais, c'est un beau morceau, c'est bien. C'est quoi d'être Blanc aujourd'hui? C'est quoi d'être Blanc? C'est bien d'être Blanc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Type caucasien. On n'a jamais été aussi loin dans l'analyse. Je reste pas... Vous n'aimez pas qu'on vous compare à Eminem? Ouais, non, c'est comme les footballeurs, quoi. C'est le nouveau Zidane, donc le nouveau Blanc qui rappe, c'est Eminem. Ouais. Mais c'est pas très grave. Hein. Non. Je suis pas agacé comme le gars de tout à l'heure qui était là. Ah ouais? Ouais, il était vraiment impliqué dans ce qu'il disait. C'était... Ça faisait peur à voir. Vous dites cet album va décider si je reste ou non dans la musique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'avant ça, avant de sortir Agartha, j'avais pas vraiment de certification, on va dire. Maintenant que j'ai ma certification, je suis platine, c'est bon, je suis content, Ah oui, d'accord. Je vais faire ça. Vous allez continuer là-dedans, là. Ouais, c'est sûr. Je sais que c'est là que vous pouvez prendre le plus de blé, quoi. C'est ma caillasse. Alors, vous dites, chanter est totalement nouveau pour moi. Je me suis lancé là-dedans parce que c'est tendance. Ouais, vraiment, le fait de chanter, faire des notes, quoi, c'est... Ouais. Et puis, je crois que j'ai une maladie qui fait que quand je chante faux, j'entends pas que je chante faux, quoi. Moi, j'ai l'oreille absolue, mais bien. Non, c'est pas vrai. Alors, vous dites... Comme Van Gogh. Comme Van Gogh, absolument. Vous dites, je suis le miroir d'une civilisation essoufflée, à court d'illusions, où le sexe, la drogue et les jeux vidéo sont les seuls échappatoires face à l'ennui généré par l'absence d'idéal. Est-ce que vous aimeriez avoir un idéal? Est-ce que vous aimeriez, par exemple, avoir la foi?
Ah, mais j'ai la foi, j'ai plein d'idéaux et tout. Je suis très optimiste. Oui, bien sûr. Est-ce que vous enviez votre frère qui est devenu musulman ? Très peu, très peu. Oh là là. Vous l'enviez pas ? Non, mais je l'aime de tout mon cœur. Gros bisous. Mais il est musulman ? Il était. Il n'est plus. Il est revenu. Ah ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.